L'enregistrement en local. Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis GLG, votre dealer d'accro. Moi j'ai déjà fait des trucs comme ça. Bon, allez, comme tous les mercredis, on se retrouve à 17h pour un petit GLG par en live. Qu'est-ce qui se passe? 1. On se retrouve tous ensemble. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions à mettre, tout ça, bim badaboum, vous pouvez mettre dans les commentaires sur Twitch, bien évidemment, et la semaine d'après sur YouTube en replay. Voilà. Donc on parlera de ce que vous voulez, je répondrai aux questions que vous poserez, et évidemment on parlera des produits tech que j'ai reçus toute cette semaine, et j'en ai reçu pas mal. Je vous ai mis la liste dans le truc, j'ai reçu la trottinette 1100 watts, le OnePlus 10, le Dougie S98, la caméra iMilab EC5, le ProSonic F16 et i10, et en attente, j'ai le Ulefone Armor qui a été confirmé aujourd'hui puisque le tracking est parti, et j'ai le mini PC Geekom, voilà. Tout ça c'est comme ça que je vous présenterai pendant l'émission pour parler un peu des produits qui vont sortir, des produits qu'on a reçus souvent, longtemps avant tout le monde, puisque le Geekom est pour mi-mai. Voilà. Et la caméra iMilab aussi. Et Félicie. Ouais, aussi. Bon, voilà. Donc, il y a pas mal de produits sympas. Et puis, je vous parle même pas de tout ce que. Je sais même plus. Il y a des trucs, je reçois comme le mini PC. Je le reçois. Alors, oui, j'attends le tracking de. Je crois que je l'ai mis dans ma liste. Des écouteurs One More. Nouveaux écouteurs One More, truc trop bien. Qu'est-ce qu'il m'a confirmé aussi? J'ai plein de trucs. C'est pour ça qu'il faut qu'on se retrouve toutes les semaines. J'ai dit tellement oui à tout le monde. Après, je dis envoyez-moi. On s'arrangera. On fait de la review. C'est bon. Je sais faire maintenant. Montage, audio, tout est bien. Voilà. Donc, j'ai dit vas-y, on fait péter les produits. On s'arrangera. Truc là. Mais là, c'est pour mi-mai. Voilà. Et on parlera peut-être du OnePlus 10, du Dougie S98 dont la review est finie. Demain pour les tipeurs, j'en parle, si vous faites un type, tiens, si vous faites un type pendant cette émission, vous devenez tipeur pendant un mois, pas pendant tout le mois en cours, et vous recevez toutes mes vidéos 24 heures avant tout le monde. C'est une petite compensation, au-delà du plaisir de faire un type pendant l'émission, d'entendre la musique de Rocky et de dire merci, Félicie, merci à toi aussi. Voilà. Bonjour à Jim38, bonjour à Fred. Bonjour, voilà. Merci encore une fois à Shadow qui a offert un abonnement, apparemment, de niveau 1 à Sébastien. Merci beaucoup. C'est les modérateurs qui offrent des abonnements ici. Rien ne va plus. Non, les jeux sont pas faits. Non, c'est pas ça. C'est pas la blague. Un petit Tipeee. Alors, ça, c'est bon. Shadow 1, Streamlive, tu veux suivre. Ok. Ramblix, bonjour la team. Bonjour à toi aussi. Alex, J. De Megève, bonjour vite fait du travail. Il y en a qui bossent. À 17h, ce serait temps d'arrêter, de travailler et de venir nous rejoindre en live, passer un bon moment. Et bonjour le cercle des amis de la Thaïlande. Bonjour à toi aussi. Le cercle des amis, c'est pas 4 cercles amis. Ah oui, c'est ça, 4. Donc Samuel, en gros. Dit le grand fou à Pattaya. Bon, après, on part à côté tout, bien évidemment. Bon, bonjour à tous. Comment il commence à y avoir du monde? Je sais pas comment il y a marqué 6 personnes en ligne, beaucoup plus que ça. Bon, alors on va laisser un peu le temps aux Boons de se connecter, par exemple. Et puis voilà. Hein, 22h chez moi en Thaïlande, 17h pour vous en France. C'est trop bien. Voilà. Qu'est-ce que je voulais parler aujourd'hui? Rien, j'ai rien. Bah si, j'ai plein de produits. Je vais vous parler un peu des produits. Oui, c'est ça. Et merci encore pour tous les bons conseils. Alors ouais, parce qu'après, ils ne savent pas les gens que je suis un bon conseiller. Non, mais en fait, les gens le savent déjà. Samuel m'avait. Alors, on avait été chez lui et tout, pour le café, il fait des photos, tout ça, tout ça. Et il fait des vidéos YouTube, bien évidemment. Et il avait besoin de conseils pour faire, par exemple, le montage vidéo. Je dis, mais le montage vidéo, il faut que tu utilises Filmora, bien évidemment. Non pas parce que je travaille avec eux, mais il est clair que pour le prix, si t'as pas de Mac, des machins comme ça, c'est un logiciel qui est très facile, très complet, et dans lequel tu peux faire plein de trucs. Et en plus, ils ont plein de tutos toutes les semaines sur leur chaîne YouTube et tout, où ils t'expliquent la dernière fois qu'ils faisaient avec un téléphone, comment faire un crust et tout. Enfin, il y a plein de moyens de faire plein d'effets super sympas qui peuvent agrémenter une vidéo. Alors après, peut-être il aura vu la vidéo d'avant, peut-être il aura vu la dernière vidéo de Filmora, mais... C'est vraiment une solution, c'est pas la meilleure solution pour moi, je préfère quand même encore une fois Final Cut, mais Final Cut ça vaut 300 et des quelques euros, tu vois, mais c'est une solution qui est quand même bien pratique pour faire des petits effets, des montages, et c'est vrai que ces vidéos ont pris un gap qualitatif, parce qu'il a un bon DSLR, mais ces vidéos ont pris un gap qualitatif, puisqu'il y a du montage, il y a des effets, il y a des trucs comme ça, et tout de suite la vidéo elle claque. Et qu'est-ce qui claque encore plus? Le son, parce qu'il m'a demandé, tu peux pas me conseiller un petit micro-cravate et tout? Alors...
On en avait testé beaucoup. Je sais plus lequel qu'il a pris. Je crois qu'il a pris le Cinco de mémoire. Un petit micro stéréo pour faire les interviews et tout. Et voilà, donc il a regardé la vidéo, il a choisi le sien, il a essayé, un peu galéré avec les paramétrages apparemment, parce que voilà, à cause des prises jack, des trucs, voilà, c'est pas toujours facile. Mais vite fait, on arrive à avoir un truc qui est ultra quali pour pas excessivement cher. Hein. Filmora, c'est moins de 100 balles, les micros peut-être autant. Voilà, 200, 300 balles plus un DSLR. Si on veut faire des vidéos YouTube et on dit on veut faire mieux, ça permet vraiment de passer le gap en disant petit micro cravate, petit micro sans fil. Il a fait l'interview avec, avec Lolo dans la montagne et tout. Le son était super quali alors qu'ils étaient loin et tout. Enfin, tu sais, t'as vraiment tout de suite, ça fait un gap technique qui n'est pas négligeable. Le robot sort de l'apéro, il a un peu de mal à compter. Et c'est ça, et il prend un peu son temps. J'ai pas l'impression que vous soyez 6. Enfin, j'espère que vous êtes un peu plus que ça. Mais voilà. Comme dirais-je, dirais-moi. Ça balance les doses. Pas du tout. Pas du tout. On n'est pas comme ça. Je vais pas donner son nom de famille encore. Arrêtez jusqu'à la fin. Bon, et Filmora, voilà, donc Filmora, non, Filmora, c'est une très très bonne solution, hein, pour avoir eu Power Director, qui était pas, là, vraiment, le truc Filmora, c'est que, ils mettent à jour, ils font les trucs, et puis, vraiment, le gros truc, c'est vraiment leur chaîne YouTube, où ils font plein de petits tutos pour t'expliquer comment rajouter des effets et tout, et c'est vraiment une petite mine d'or pour quelqu'un qui veut se lancer et apprendre et tout, c'est vraiment bien. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Bonjour à Jaune 9, notre septième. À peu près ou 8 deux conseils qui m'ont changé la vie, encore merci. Ben ta vie je sais pas, mais la qualité de tes vidéos c'est flagrant. C'est flagrant. Moi j'ai regardé la vidéo avec Lolo, j'étais content de pas de moi mais de mes conseils presque, mais j'étais content parce que je me dis putain la vidéo a de la gueule, il a mis des petits effets avec les fenêtres et tout, tu vois, le texte comme ça, et après le son était top et tout, et j'ai regardé et j'ai kiffé, je me suis dit putain c'est bien, c'est beau, c'est quali et tout, voilà, la preuve que je vous présente des produits qui sont bien. Et autant, j'ai toujours un ou deux bouffons qui viennent, t'es pas expulsé, c'est pas, je sais pas comment dire, je sais pas ce que c'était le dernier bourricot qu'on a eu. J'ai eu deux, trois derniers qui étaient pas mal. Le dernier qui m'a dit, ouais, t'es pas objectif, tu sais, on voit que t'es payé, machin. Alors bon, alors que bon, voilà, payé, pas payé, encore une fois, c'est pas le problème. Et j'en ai eu un autre qui m'a dit, quoi, tu payes un monteur pour faire ça? Ben, le problème, c'est que même si mes vidéos au niveau du montage, c'est pas ouf, ben malheureusement, on peut pas faire la voix et les plans et se couper dans un chèque comme ça et uploader la vidéo sur YouTube. Et tu te démerdes. C'est que bah, il faut faire la voix, il faut faire les plans. Après, comme on voit dans la vidéo, dans le Filmora, il faut mettre en petit en vignette. Après, il faut rajouter les photos, il faut rajouter les vidéos, il faut rajouter les images et tout. Et même s'il n'y a pas énormément de travail sur le montage, il y a du boulot. Il y a entre une demi-heure et une heure de montage pour faire une vidéo ultra simple déjà. Donc imaginez, après, le monteur, si je lui dis, tu me rajoutes, il faut me faire un truc à la Marquez Broly et tout, il me dit pas de problème, mais c'est 5 fois le prix. Il va passer 5 fois plus de temps, donc 5 fois facturé. Donc il faut savoir un peu ce qu'on veut et en fonction de ce qu'on a besoin. Et quand on me dit, t'as besoin d'un monteur pour ça, oui, je pourrais le faire moi, mais il y a pas mal de trucs où, oui, je pourrais y passer une heure. Ou alors je peux faire passer, ou je peux lui faire passer une heure et que moi je fasse 7 heures, je fasse autre chose. Voilà. Par exemple, faire des reviews. Parce qu'il faut faire les reviews, les plans, et après il faut les monter. Donc malheureusement, c'est toujours des petits bouts de temps qui s'ajoutent comme ça. Et quand on peut déléguer, même si on a l'impression que c'est pas très compliqué, bah malheureusement, Samuel vous le dira, c'est quand même un peu compliqué et tout. C'est qu'il faut prendre, faut dérocher et tout. Après, il faut mettre les plans, même si moi maintenant c'est bien structuré. Il faut faire les plans, machin, il faut les mettre, les trucs, et c'est du boulot. Voilà, c'est du boulot. Et faire la vignette et machin, et c'est vite des vidéos qui prennent une demi-heure, une heure, alors que vous avez 10 minutes de vidéo. Mais encore une fois, ça, il y a que ceux qui n'ont pas fait qui savent pas. Ceux qui ont fait, ici, malheureusement, ils savent et disent ah, ouais. c'est pas la partie la plus rigolote dans une vidéo. Je ne suis pas encore à ton niveau quand même. Je sais pas si on peut vraiment parler de niveau, mais on va surtout parler d'avance. Moi, j'ai commencé il y a un peu longtemps. En 2007, je crois, mes premières vidéos. Donc, autant en 2007, c'était quand même un petit peu de la merde, hein, en 480p et tout. Autant, on peut dire que, voilà, depuis 2007, j'ai essayé pas mal de trucs, pas mal de formats. Beaucoup de mes vidéos ont des sons pourris, hein, notamment sur WTS. J'ai pas mal de vidéos avec des sons pourris, des images, des... Voilà. On a testé beaucoup, beaucoup de choses, et il est clair que maintenant, voilà, moi, je suis un peu plus rodé au format. Putain, j'ai un peu mal, là. Je sais pas ce qu'il arrive, je suis en train de vous faire une crise cardiaque.
Putain, la vache, je sais pas ce qui. J'ai un point là. En fait, j'avais un point depuis un petit moment là. Il était parti et là, il est revenu. Tu es en train de mourir en live. À devoir le test du OnePlus 10 Pro. Oui. Bon, je vais vous parler un peu des reviews parce que ça fait malheureusement un peu partie du deal. Ou par exemple, la mini PC, j'avais dit que je ferais un déballage en ligne et tout, mais je peux pas faire un déballage que du mini PC. Donc, malheureusement et tout. Voilà. Donc, premier produit que j'ai reçu il y a deux jours. Jean, il est venu cet après-midi. J'ai dit, regarde, il y avait un putain de carton dehors. Je regarde, c'est la trottinette qui est dehors. Il dit, c'est beau, ça, le portail il est ouvert, la trottinette elle est là, posée. Je dis, ouais, mais si on est en Thaïlande, il n'y a pas de voleur, puis elle pèse 40 kilos. J'ai reçu petite trottinette 1200 watts. Voilà. Donc, petite trottinette bah, qui envoie un petit peu des watts. Alors, est-ce que c'est deux moteurs de 600? J'ai bien l'impression. Moi j'ai pris, enfin j'ai demandé le modèle avec la petite selle parce que je me suis dit, faut bien que je pose mon gros cul quelque part, rester debout comme ça pendant 40 minutes, c'est peut-être possible, mais peut-être qu'un petit siège comme ça de temps en temps, voilà. Donc j'ai reçu celle-là, alors il y a le vélo Fido, il y a celle-là, et j'en attends une troisième, dont j'ai oublié la marque, mais c'était la Pioneer, et après il n'y a plus la Pioneer, ce sera une autre, enfin bon. Là n'est pas le problème, voilà. On aura la trottinette. Ah, on aura. Elle est là. Faut que je la déballe et tout. Faut que je fasse les vidéos pour WTS de la béquille, du casque BMX et du déballage de la trottinette. Et après, le test et tout. Ça, la trottinette tombera certainement au mois de mai. En même temps, on est déjà le 20 avril. Là, j'ai pas ouvert. Enfin, j'ai ouvert la boîte, mais j'ai pas encore sorti la trottinette. Vous êtes d'accord que pour l'instant, il n'y a pas d'urgence. Donc, trottinette électrique, mois prochain. Ensuite, le Doogie S98 que j'ai fini aujourd'hui. Oh oui, je l'ai fini le coquin. Pas mal. Un petit, un téléphone, tu vois, avec un écran normal, mais un petit écran à l'arrière, tu vois, en forme de montre et tout, qui affiche les notifications, les appels et tout. Un très très joli téléphone. Et alors bon, pour ceux qui connaîtront les plus anciens, j'ai quand même un gros passif avec Doogie. Pas en mal, hein, encore une fois, pas en mal, en bon passif, puisque c'est moi qui gérais leur chaîne YouTube pendant un petit moment, quand même, malgré tout, avec mon ami espagnol, qui parlait habla un poco espagnol, qui faisait les reviews, on faisait les reviews en français et en espagnol, grâce à un script bien scripté, qui permettait que même si moi, habla un poco espagnol, eh ben, j'arrivais quand même à comprendre. Donc, faut avouer qu'ils sont bien sortis les doigts du cul et ce Doogie S98 avec son Helio G96, pas mal, ça fait 200 000 points sur un toutou, 8 plus 256 plus micro SD, puisque oui, il y a bien double SIM plus micro SD. Merde. Trop bien. Lecteur d'empreinte digitale, caméra à l'arrière, 64 millions de pixels plus 20 millions de pixels infrarouge Sony, plus 8 millions de pixels angle large Samsung, et à l'avant 7 millions de pixels Samsung. Donc, et sur le papier, autant il n'y a qu'un écran LCD, autant sur le papier il est quand même plutôt spéqué. Batterie 6000 mAh, charge rapide 33 watts, pas mal, et charge sans fil 15 watts. Putain, je connais l'affiche par cœur. C'est comme j'ai vu pendant 3 jours là, j'en ai bouffé des trucs, je connais par cœur, voilà. Téléphone très intéressant. Alors il est IP68, IP69, ce qui fait qu'il est un peu résistant et tout, mais il pourra plaire ou ne pas plaire, mais... Voilà, pour 300 balles, moi je trouve que le téléphone, il est quand même extrêmement intéressant, et voilà. Donc si vous êtes en Thaïlande, il sera à vendre. Non, je crois que mon pote en Thaïlande, il va me le prendre, il prend tous les trucs là, maintenant, en ce moment, voilà quoi. Voilà. Donc ça sera le deuxième, alors ça c'est pour vendredi. Vendredi, c'est acté, pas de souci. Je vais lire un peu vos commentaires pendant qu'on est là. Poncho, Fred, maintenant tu te sers plus de ton VTT. Bah écoute, j'ai pas encore déballé la trottinette. Je me sers encore un peu du vélo électrique. J'ai prévu, alors j'attends la deuxième batterie. J'ai prévu un road trip de 60 km à vélo, en vélo électrique, alors ce sera vélo essence électrique, en allant à mon café préféré dans la montagne et tout, il y a 30 km aller. En fait, c'est 40 km par la route ou 30 km en mode piéton. Je l'ai fait avec le XADV au retour la dernière fois. Il m'a fait passer entre les champs, il y avait du sable et tout, c'était horrible. Mais là, en vélo, ça permettra d'avoir une vélo mix. Et on passe par des endroits qui sont improbables, ça va faire une vidéo qui va durer alors 30 km à 20 km/h, ça va durer 1h30, vous allez voir, les paysages sont incroyables. Vous êtes passé par des endroits où j'étais comme ça, je dis putain, c'est beau ici, voilà. Et voilà, donc 30 km aller et 30 km retour, en théorie,
vu que je peux faire 40 km sans pédaler, en pédalant, en aidant un peu le truc, je devrais arriver à faire l'aller-retour. Mais je vais quand même attendre de recevoir la deuxième batterie pour la mettre dans un sac à dos. Comme ça, je pars. Si jamais, voilà, si jamais à la fin, plein le cul de pédaler, là, eh ben, je peux mettre la deuxième batterie et je pourrais assister. Mais voilà, ça fait partie des prévus. Et après, bah, la trottinette sera donc pour le mois de mai. Que je la déballe, je fasse un test, j'irai justement autour du lac, faire le tour du lac, savoir un peu quelle est l'autonomie. Parce que le problème, c'est quand l'autonomie elle est foutue, faut la pousser, cocotte. Voilà. Jamais aimé Dougie. Jamais aimé Dougie. Voilà quoi, Dougie, c'est pas le même prix non plus. Dougie, c'est pas le même prix. Bon, parlons un peu du OnePlus 10 Pro 5G, qui est ici. Alors, étonnamment, 750 000 sur AnTuTu. Alors vous allez me dire, pour un 8 Gen 1, ben c'est un peu la loose. Enfin, je ne vais pas dire que c'est la loose, c'est quand même 750 000, mais le Blackmagic, non, le Nubia Red Magic 7, qu'on a testé pas trop longtemps, là, il faisait 1 million et des spoons, hein, avec un 8 Gen 1. Là, il ne fait que 750 000 points. C'est pas mal, mais voilà, pour 1000 balles, il aurait pu me donner 1 million, voilà. Donc, OnePlus 10 Pro, version globale, nanana, patin couffin. Ils m'ont pas mis trop la pression pour la date. Parce que pour l'instant, il n'y a pas l'air d'en avoir de dispo. Il y a un en dispo. Mercredi prochain. Lundi. Alors, normalement, il devait y avoir une VPN. Ils ont toujours pas payé. Un mec qui m'a mis la pression. Ah, il faut une vidéo. Ah, je vous paye quand cette semaine. Attends, on est jeudi. Enfin, on est mercredi. Donc, il y aura peut-être une VPN samedi ou dimanche. On verra. Ah mais non, parce que vendredi, il y a le Dougie, donc ce sera samedi, ouais, ou dimanche. Lundi, je ferai bien le casque E900 avec le support de casque et tout, parce qu'elle m'a pas mis la pression, mais voilà, lundi ou mardi. Donc le téléphone tombera mercredi ou jeudi. Voilà. Sans pression, puisque demain et après-demain et après-après-demain, je travaillerai sur le casque et le support. Et comme ça, on mettra le OnePlus. Et après, une fois que j'aurai fini ça, j'aurai fini le OnePlus. Comme ça, que le OnePlus, ça fera, je le ferai ce week-end et le début de semaine prochaine. Il tombera justement, voilà, mercredi ou jeudi pour le OnePlus 10 Pro. Bon, un bel animal avec des belles caméras et tout. En plus des caméras qui sont certifiées Hasselblad. Pour ceux qui ne connaissent pas Hasselblad, ça fait une grosse marque d'appareils photo caméra. C'était les premières qui étaient faites pour aller sur la Lune, par exemple. Ils ont fait des caméras, et hop, là, ils sont partis sur la Lune, ils ont fait des photos incroyables et tout, en espérant s'ils étaient vraiment sur la Lune. Hein, il y a une théorie qui veut, et je crois que la théorie qui se tient le plus, c'est que, oui, ils sont vraiment allés sur la Lune, pas de souci, mais que les vidéos, les photos, tout était minable. Tout était pourrave. Il n'y avait rien d'exploitable, parce que quand vous regardez quand même, je sais pas de quelle année ça date, vous prenez n'importe quel DSLR, vous allez faire une photo, c'est toujours tout pourri. Les mecs, ils sont sur la Lune avec le soleil pas loin, l'éclairage, truc. Les vidéos sont incroyables. Voilà. Donc, c'est la théorie qui se tient. Oui, ils sont vraiment allés sur la Lune, mais que photo vidéo, il n'y avait que de la merde. Il n'y avait rien d'exploitable, même si c'était du Hasselblad. Et qu'ils ont refait ça sur Terre pour faire un truc propre, télévisuel. C'est trop bien cadré. C'est trop bien éclairé. Tu vas trop bien. C'est trop net. C'est trop incroyable. Alors qu'il n'y avait pas de numérique ni rien. Enfin, voilà. Bon, moi, je trouve que c'est la théorie qui se tient le mieux. Mais il n'empêche, moi j'aurais un OnePlus 10 Pro avec caméra Hasselblad. À voir, écoute, on va voir ce que ça donnera. On verra la semaine prochaine. Encore une fois, j'ai pas fait une grosse review sur le Dougie, mais on a quand même essayé de parler de tout. Donc c'est quand même assez long et assez. En fait, on parle de tout, mais dans un condensé de 10 ou 12 minutes. Donc c'est assez dynamique. Là aussi, encore une fois, avec celui-là, ce sera surtout de faire beaucoup de photos, beaucoup de vidéos. Par exemple, le Dougie. Ouais. Caméra, Sony 20 millions de pixels, vision de nuit. Très bien. Mais on peut faire que des photos. On peut faire pas de vidéos. C'est nul, tu vas dans le truc, mais une vision de nuit, ok. Photo, pas de vidéo. C'est nul. Alors à moins qu'en restant appuyé dessus, enfin, j'ai pas fait le. Attends, je ressaye, ça se trouve, j'ai fait une connerie. Vas-y, allume-toi. Vas-y, allume-toi. Vision nocturne. Toi, il y a juste la petite. Si je reste appuyé dessus, il se passe rien. C'est bien le problème, tu vois. Reste appuyé dessus. Photographie continue n'est pas disponible. Voilà. C'est photo ou photo. Voilà. Alors, ils sont sympas de dire qu'on a vision de nuit, 20 millions de pixels, Sony, MX350 et tout. Moi, j'y veux bien. Mais bon, on peut faire de vidéo. C'est nul. Dans leur truc, là, on voit des cerfs, des biches et des dahu. Et tu peux pas faire de vidéo. Que des photos. Voilà. Donc, le but, c'est vraiment d'aller en disant, ah,
qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut pas faire. Alors, tu pourras pas faire de tout terrain avec celle-là, VD. Avec la trottinette méfie-toi. Méfie-toi, petit insolent. Elle est quand même chiadée, hein, avec les avec gros pneus et tout. Hein. Non, non, c'est le modèle, si tu parles de la trottinette, c'est le modèle avec les gros pneus, suspension avant, suspension arrière. C'est le modèle de compétition, c'est fait pour la Thaïlande. Après, comme dirait GMK, l'autre trottinette de jeune coiffeur distingué, c'est une petite trottinette, machin, bien rigide. Non, non, là, c'est de la trottinette de compète. Si je puis dire. Bon, on parlera des... qu'est-ce que j'ai en d'autre en review? Je parlerai de ça après. Alors, attends, tu pourras... T'es en OnePlus, c'est pour quand? Alors, c'est mercredi ou jeudi de la semaine prochaine. Alors, théoriquement, tu peux faire 100 bornes avec deux batteries. T'es prêt? Attends, déjà, on va faire 60 bornes. Déjà, on va faire 60 bornes et on va essayer de faire qu'il n'y ait qu'une batterie. C'est-à-dire en pédalant avec assistance électrique. C'est-à-dire assistance numéro 3 jusqu'à 20 km/h et en pédalant. Tranquille, hein, toi, pas de ouf. Hein. Je crois que c'est 21, je crois, maximum. En pédalant tranquille jusqu'à 21 et on essaiera d'aller jusque là-bas. Et comme ça, on verra bien. Dans les montées, en théorie, on devrait l'aider. Dans la descente, on aurait, on avait pas besoin d'électrique. Donc, on verra si, sur, en partant sur l'idée que la dernière fois, j'ai fait 40 sans pédaler et il m'en restait un petit peu, d'accord? Là, je me dis 30 en pédalant, tranquille, il va m'en rester au moins. Et après, du coup, au retour, eh bien, c'est là qu'on verra sur, sur les 30 derniers de retour, est-ce qu'on peut faire au moins jusqu'à 60 bornes en pédalant un peu? Eux, ils annoncent jusqu'à 100 bornes, mais avec un petit chinois de 40 kilos, quoi. Avec papa de 80 kilos dessus. C'est peut-être... Ça va peut-être changer un peu les paramètres. Mais voilà, et comme ça, je me dis, si au retour, arriver à la moitié, arriver à 50 bornes, et plus de batterie du tout, gentil la deuxième, je mets, là, je rentre en full électrique, je vais se faire voir avec vos tests. Hein. On a marre. Hein. Voilà. Mais voilà, ça permettra de juger un peu. Bonjour à BZH, c'est le premier smartphone qui peut faire des vidéos. Qui peut faire des vidéos. Alors, il peut faire de la nuit. Voilà, tu peux faire des vidéos. Tu peux faire des photos la nuit en infrarouge, mais pas des vidéos la nuit en infrarouge. Ce qui est quand même un petit peu bidon. Parce que n'importe quelle caméra sécurité fait des vidéos de nuit en infrarouge. Casser les couilles aussi hein, avec leur téléphone. Hein. Non, mais voilà. Ah, il est 22h22. Il ne faut pas que je dise du mal. Voilà. Bon, autre caméra. Alors, là, Imilab. Plein de trucs là, voilà. Une petite caméra IP, alors lancement mi-mai. Donc là, c'est vraiment pour vous dire, voilà, pour ceux qui disent non, les vidéos ne servent à rien et tout, bah, là, le vidéo, vous ne la verrez pas avant mi-mai. Normalement, tout le monde. En théorie, je dis toujours ça. Moi, ils me mettent des embargos. Moi, ils me mettent des embargos et des dates. Et après, il y a toujours Ami Express ou machin. Hein, et ben, bah, on fait la vidéo, tout truc, elle est en ligne, et voilà. Non, soit on n'a pas les. Soit c'est les vendeurs qui posent un peu des embargos et tout, soit voilà. Moi, je respecte les embargos. Voilà, je suis comme ça. C'est mon petit côté russe. Bon, petite caméra IP, Wi-Fi, apparemment motorisée et tout. Très jolie. 182 balles quand même. J'ai pas regardé le prix. Mais voilà. Qu'est-ce que tu vends? Nanana. 4 merveilles clear. Ok. Color Night Vision. Pas mal. Smart Sirène. Une sirène intelligente. Hey! Avec la queue et tout. Bon. Activité zone. Pas mal. Batterie et Solar Power Red. Ah ouais? C'est pas vrai. Batterie et Power Solar Polar. Ouais, ouais. Oh, bah écoute, voilà. Multistorage option. IP66 waterproof. Oui, il est en option le. Tu vois? Ça m'intrigue. Je l'ai le panneau solaire ou pas? Il y a ou pas? Je t'ai entendu. Hein. Je t'ai entendu. Non, c'est ou pas quoi. Ouais, ouais, ou pas. ou pas. Bon, elle est bien emballée. Ça, c'est pas mal. Ça m'étonnerait qu'il l'ait mis là-dedans. Hein. Ça serait un peu ridicule. C'est quoi ça? Des bonbons? Non, le chargeur. Ouais, c'est ça. Bon, j'ai pas moi le chargeur solaire en option. Ah, merci pour les diamants, BZH. Les diamants sont éternels et. Rémunérateur. Par exemple, quelle heure il est? 24. Ah, et demi, on met de la pub, on a dit. Voilà. Donc, c'est la nouvelle caméra Imilab 4 millions de pixels cristallin. Regarde, avec du cristallin, mon pote, je peux dire, on est bien. Alors, pourquoi je mets les lunettes? Puisque, merci à Shadow pour les diamants, encore une fois. Parce que l'écran, celui-là, il est bien, le Mac, mais celui-là, il est polarisé, les lunettes sont polarisées, donc j'ai un écran noir. Et au bout, la tunnel. Et tunnel, la lumière.
Batterie, alors ouais, il existe en option un panneau solaire que je n'ai pas de leur marque, mais que j'ai quand même, j'ai toujours de Reolink. Donc je pourrais. Voilà. 182 balles quand même, hein, pas donné. Hein. Mais bon, motorisé, tout ça, quoi. Lancement Milab, off 23 mai. 23 mai. Merci pour les diamants BD Dash. Petite bagarre de diamants en ce moment. Alors elle m'écrit, elle me dit oui, il faut faire la vidéo avant le 23. Attends, j'ai la date, on est le 20. Je commence à prendre mon clavier en disant hey, petite connasse là, tu crois que tu vas m'envoyer la caméra le 20, que je vais te la tomber le 23? J'ai bien fait de lire le mail, hein, c'était marqué 23 mai. Hein. C'est vrai, elle m'a répondu non, petit trou du cul là. Oh, tu ferais mieux de lire tes mails au lieu de répondre comme un petit connard. Hein. C'est le 23 mai et non pas le 23 avril. Ouh, dis donc, mais qu'est-ce que tu m'as dit là? Voilà, merci pour les diamants. Alors, il y a un challenge avec Shadow et BZ Dash. Il n'y a pas de Tipeee. Tipeee parti, mais voilà. Bon, voilà, ça c'est pour la vente de la dernière. Ah, le produit qui devrait vous faire kiffer votre race. Qu'est-ce qui parle mal ce soir? Non, il faut que arrêtons de parler mal comme ça. Il faut parler bien. Oh là là, merci beaucoup à Shadow pour les diamants. Je vais être belle demain avec tous ces diamants. Non, je crois qu'ils me les livrent pas tout de suite, hein. Il faut attendre un petit peu. Alors, mini PC. Alors, je l'avais complètement oublié, Geekom. Eh, pour un mec qui s'appelle JT Geek et Greg le Geek, avoir un mini PC qui s'appelle Geekom, c'est la classe. Alors, je l'ai trouvé uniquement sur Amazon. Amazon. Alors, moi, j'ai la version, c'est marqué derrière, 8 plus 512. Voilà, regardez. SSD, vous avez peut-être vu la photo déjà sur Instagram. J'ai mis une petite vidéo. Alors, produit NEM, ça c'est bien mis long. IT8, i5, voilà, Intel Core i5, pas mal. De la DDR4. Ouh, merci. Ah non, mais ouais, franchement, Tipeee, ça claque mieux. Hein. Alors, les diamants, ça claque. Hein, je veux dire, avec BZH, là, qui a encore mis un petit coup de 25 diamants, mais... Le petit Tipeee de Sébastien est bienvenu. Bienvenue, Maître San. Bon, arrêtez. Bon, de la 16 Go de RAM en DDR4 et du SSD M2. Alors, je rappelle, les SSD M2, c'est comme les barrettes de RAM, mais avec de la SSD dedans. 512. Donc, c'est si la version 8 plus 258 fait déjà... On m'a déjà demandé sur Instagram, on va dire, hey, non, hey, je vais pas t'en débarrasser. Merci, oh là là, 100 diamants. Ok, bon, Shadow a mis tout le monde d'accord. Voilà, ah, un petit coup de 25 diamants, petit joueur. Merci beaucoup à notre modérateur. Ah, 15% de batterie. 400, si la version fait 419€, 8 plus 256, la version 8 plus 512 doit pas être donnée. J'ai 8 ou 16, moi. J'ai oublié. Non, j'ai 16, moi. J'ai pas 8, j'ai 16, j'ai même pas celle-là. J'ai encore celle du dessus, là. Faut pas être donné. Faut être donné, hein. Donnez-moi. Alors, premier truc, il y a des petits clips ici. Alors, je me suis dit, il y a des clips pour déclipser. Et je l'ai ouvert tout à l'heure. J'y ai laissé un nom que j'arrive plus à l'ouvrir. Bon, on voit rien. On voit rien du tout. Tu vois? Ah, voilà. Cassé. Ouais, Geekom, j'ai reçu un défectueux. Alors, je sais pas ce qu'on peut pas l'ouvrir et tout. Il y a l'air d'avoir un espèce de petit ventilo. Je vous laisserai voir dessus. Alors, non, mais on n'a rien vu. Voilà. Alors, regarde. Non, mais look. Merci. Oh là, bah, dis donc, ah, il est comme ça. Ah, alors, parce que déjà on disait, bon, Shadow a quand même envoyé 100 diamants. Je sais pas tout ce que ça représente, mais bon, dans un petit sac, ça fait quand même pas mal, tu vois. Et BZ Dash a surenchéri de 2 fois avec 200 diamants. Voilà. Donc forcément, ça remplit un peu le diamant. C'est pour te raser les aisselles de ton boîtier. Alors, je vais voir un peu, regarde. À l'avant, regarde, je vous mets en plein écran. Bon, donc on peut le voir ici, ouais, vous voyez ici. Bon. À l'avant, il y a quoi? Une prise USB type C, pas mal. Une prise USB bleue, donc c'est USB 3, d'accord. Une prise jack, un bouton power on off. Jusque-là, tout va bien. Sur le côté, on a l'alimentation, pas mal. On a une prise...
J'ai envie de dire une Thunderbolt, moi, celle-là, la vilaine, là. On dirait dire une Thunderbolt. Merci. Oh. Et là, Émile Diamant. Alors, fais-moi ta maline maintenant. Oui, bah, passer de 200. Non, mais normalement, c'est quand t'as 100, 25, 100, 200, normalement, c'est 400 et tout. C'est pas 1000. C'est toi qui joues. C'est toi qui joues. Mais merci beaucoup. Bon, on a une prise Ethernet. T'as laissé-moi finir un peu, merde. Une prise Ethernet, deux prises USB. Alors, eux, il y en a bien une grise, une bleue, mais moi, j'ai bien deux bleus à l'arrière. Donc, c'est bien deux prises USB 3.0. Une sortie HDMI. OK. Et une prise USB type C qui ont bien l'air. Alors, autant à l'avant, c'est marqué juste SS, nanana. Autant à l'arrière, c'est SS... Non, c'est pareil. Voilà. J'ai l'impression que c'est du Thunderbolt. Voilà. Petit détail. Sur le côté, il y a un petit cadenas. Alors, ça doit être pour mettre l'antivol sur un bureau, enfin, contre le pic. Ça se tient aussi. Et... lecteur de carte SD sur le côté. Ça, par contre, je ne l'ai pas vu tout à l'heure et c'est quand même la grosse surprise. Petit lecteur de carte SD sur le côté, pas mal du tout. Hein. Pas mal, pas mal. Donc, ultra efficacité. Petit et léger. C'est tout, moi. Écoute, c'est comme ça qu'on m'appelle dans les bars de Pattaya. Petit, léger, grande efficacité. Pas du tout. Avant, quand j'étais jeune. Mais bon, voilà, maintenant, j'ai pris un peu de lâche. Capacité d'extension, ça on a vu. Vous pouvez étendre le stockage avec la Kingston M2 SATA. Donc vous voyez, on n'est pas chez Apple. On peut apparemment l'extendre et changer le SSD M2. Bah déjà, 512, c'est pas mal. Et on s'achète le moins cher à 128. Sache qu'après, tu pourras en racheter un autre, le mettre dedans. C'est du Windows, c'est pas du Apple. Thermique plus rapide, nanana, Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi 5. Ok, bon, c'est quand même déjà pas mal. Moi je le trouve, fais voir un peu les photos, Core i5 pas mal, bon la carte graphique c'est évidemment du Intel Iris Plus Graphics 655, donc de la carte intégrée Intel, hein. C'est pas mal en même temps, c'est pas si mal que ça, après de là faire de la photo et de la vidéo pour les vidéos de Samuel ça va être compliqué, mais tombé sur toi, voilà, bon de la DDR4 Kingston pas mal, Wi-Fi 2Go 4 et 5Go pas mal, dual channel DDR4, donc là encore pareil, il doit y avoir de la barrette de RAM dedans, c'est juste la taille de la barrette, elle doit prendre tout le truc, ça doit pouvoir changer aussi, ça doit être en fait plutôt, je vais pas dire facilement upgradable, mais c'est upgradable, voilà, encore une fois, je vous mettrai tous les liens de tous les produits, je vais vous les mettre ici, voilà, comme ça, si vous voulez cliquer, acheter et tout ça, tout voilà. Alors, attends, hein, Intel Gemini, Kingston LR4, Windows 11 Pro, affichage 4 écrans. Alors, 4 écrans. Le HDMI 1, les deux USB type C, donc ça doit être du Thunderbolt 4 hein, ou 3. Donc ça fait 3. Et c'est du mini display, voilà, c'est le mini display qui est sur le côté. Avec le mini display, t'en peux en mettre 4. Ça me parle un peu beaucoup. Hein. Enfin, même moi, déjà, avec une grosse machine, j'utilise que 2, ça suffira. Je pourrais trouver un troisième, voilà. Les performances ont l'air plutôt acceptables. Ça a l'air d'une bonne petite machine. Je vais lire un peu vos commentaires, parce que ça fait quand même longtemps que j'ai pas lu vos commentaires. Mais moi, personnellement, je trouve que ça fait un petit mini PC qui a de la gueule. Voilà. Alors, on en est où? Ouh, on en est sur une attaque de diamant, là, voilà. J'adore, il a mis tout le monde d'accord avec les 1000. BZH, je suis en train de regarder. Il essaye, ça marche pas. Ça marche pas, carte bleue bloquée. Voilà, faut appeler cet élève maintenant. Alors, théoriquement, tu peux faire 100 bornes avec de batteries. J'en étais là. 50 000, c'est tout. On dirait un Samsung S21. Ben, oui, c'est ça, 750 000. Pour le OnePlus 10 Pro Plus, 750 000 points. Alors après, je l'ai refait, je suis tombé à 650 000. Donc je l'ai mis à jour, je suis revenu, je suis retombé à 750 000. On est d'accord que en toutou ne fait pas tout, mais de toi à moi, je me suis dit, avec un 8 Gen 1, avec un nouveau Snapdragon, nanana, j'ai quand même un Nubia. Alors j'ai été contacté par ZTE, tiens. ZTE qui ont un... Je sais plus quoi, une merde atomique, encore un truc à 800 balles. Mais, tu sais, c'est... Non, j'ai dit non, ça faut payer un petit peu, sinon je fais pas. Et après, j'ai répondu, il faut payer un petit peu, sinon je fais pas. Et je pense qu'ils vont me dire, tu feras pas. Merci à BZH pour... un bit. Ok, c'est bien. J'ai cru que c'est un million de trucs. Non, c'est un seul. Et tiens, qu'est-ce que j'ai vu aujourd'hui? Il y avait, je sais pas si on avait la vidéo de Unbox Therapy.
Il avait une espèce de grosse batterie externe Blue Yeti. Alors, on l'a pas fait parce que ils n'ont pas voulu payer. Tout simplement, ils m'ont proposé de la faire. Nanana, ils m'ont dit oui, faut payer. J'ai dit, faut payer. Ça n'a rien à branler de votre batterie là. De... Ça a l'air bien, mais bon, pas indispensable. Ah, mais moitié prix, tu sais, genre, demande le prix de la review, me fait moitié prix. J'ai dit bah non, non, j'ai dit merci, nous ne pourrons pas accepter votre offre. Alors, j'ai regretté un peu parce que sinon, je l'aurais eu depuis un petit moment et elle est quand même plutôt pas mal leur batterie là. Mais bon, après, c'est pas le dossier. Voilà. Va travailler que gratuit non plus. Au bout d'un moment, voilà, la trottinette c'est gratuit, le OnePlus 10 c'est gratuit. Bon, c'est les produits à 1000 balles. Mais voilà, c'est les produits à 1000 balles. C'est... La OnePlus 10, ça c'est vendable direct. C'est en Thaïlande, il n'y en a pas et tout. Je veux dire, 1000 balles, tu le vends 500, 500 ou 600 balles, genre 20 000 bahts. 20 000 bahts, vous me direz 20 000 bahts combien ça fait, mais si je vends 20 000 bahts, je vais vendre tout de suite. Il est tout neuf, très bien, personne ne peut l'avoir. C'est la version globale. Et la trottinette, pareil, elle vaut 1100 et quelques euros. Plus le temps d'avoir arrivé, plus la détaxe, plus tout ça, voilà quoi. Là, je veux dire, voilà. Soit je vais la garder et je vais voilà, faire un accident, quoi. Était là, photo. Salut, noble modo. Wizbot. Wizbot est là. On a juste le droit de voir la boîte. C'est comme ça. Donc, si vous voulez voir le téléphone, du truc. Franchement, il casse rien. Je suis désolé, mais j'ai ouvert le... Il casse rien du tout. Parce que je n'ai que la boîte, c'est le mytho de base. Puisque je n'ai que la boîte, je n'ai jamais reçu le téléphone. Je vous fais croire qu'on m'envoie des téléphones à 1000 euros, mais pas du tout. Je n'ai que la boîte et il n'y a pas de téléphone dedans. Je fais voir la coque. Il donne la coque. C'est quand même pas mal. Et concernant le téléphone, voilà. Ah, mais c'est pas ça, c'est pas celui-là. Mais si c'est celui-là, arrête. Est-ce que je l'ai éteint? Oui. Je trouve pas... Ouais, il est fin. Ouais. Ah, il y a un petit arrière. Ouais, il est joli, mais bon, voilà, 1000 balles, quoi. 1000 euros. TTT. Pique un peu, voilà. Bon. Donc là, c'était la bataille des diamants. Ou pas, lol. T'arrêtes de lire tes mails en diagonale, s'il te plaît. Ouais, elle m'a répondu ça. T'arrêtes de lire tes mails en diagonale. Ah, mais on est le 20, je ferai pas avant le 23. Hein. Mais, ah, bah ça va. Mais, et pareil, attends. Le mini PC, c'est mi-mai, donc vers le 15, et le iMilab, 23 mai. on en est quand même là. Je veux dire, après, que on m'aime ou qu'on m'adore, non, qu'on me déteste. L'année dernière, on était presque à la limite de repartir en France. On dit, il marche pas le business, machin. Et là, je commence à être booké pour le mois suivant. C'est-à-dire que là, le mois, il est fait. Et je commence à être booké pour le mois suivant. Donc voilà, on peut se réjouir au moins de ça. Hein. Ok, bon, 1000 est là, ok. Shadow, ça fait 10 euros. 1000, ça fait 10 euros. Ah, pas mal. Ah, dis donc, ça en fait de l'argent tout ça. Merci beaucoup encore une fois pour vos diamants, ça fait plaisir. Ne vous mettez pas dans l'embarras pour me faire plaisir. Oui, parce que les diamants sont éternels. Non, bon, on va arrêter le club de l'arc-en-ciel. Dans le 1000 et 1000, ok, bonjour. Bonjour à Dexter. Oh là, ça fait longtemps Dexter. On te demande à Pattaya, tout le monde des films me dit, il revient quand Dexter? Dexter, il a un truc en plus que je vous dirai pas. Ou en moins qui donne un plus. Et chacun verra. Mais voilà, elles en sont folles. Il a tout d'une grande tour. Le mini PC, je trouve aussi, ouais, je trouve aussi que ce mini PC, bon après 500 balles quoi en prix d'entrée. Mais bon, 500 balles, tu peux le faire upgrader. C'est vraiment le genre de truc où même si tu prends en 8 plus 256 à 479 euros. Le truc où tu te dis tu peux le monter jusqu'à 16 puisqu'apparemment il doit y avoir une barrette de 8 ou une barrette de 16 hein, en même temps voilà et le SSD comme c'est du M2 bah pareil tu peux l'upgrader jusqu'à 512. Alors après je sais pas si la carte mère supporte beaucoup plus que cette configuration, si va aller jusqu'à l'intera, mais après bon c'est le genre de truc où si au niveau de la RAM 16 gigas ça permet de te faire tourner ton Windows et que tu le charges pas comme un mulet. Le SSD 512 c'est pas mal, plus un petit disque en USB type C comme moi je vous ai présenté la dernière fois là, le mien que j'ai, tu mets en USB type C et tout et ça permet vraiment d'étendre la mémoire et d'avoir un petit appareil compact et tout. Moi je
bah, je vais pas renier mon Mac Mini non plus, mais en petit truc d'appoint, en petite station Windows et tout, c'est sympa. Je m'en étais pris un en octobre-novembre en 2020 avec un Ryzen 2007 et un Tera SSD 30Go de RAM. Pourtant, ça envoie du poney. D'accord, ouais, c'est quand même là, c'est un i5, hein, voilà, quand je veux dire. Et puis, c'est pas le, c'est le i5, c'est le 8259U en plus. Je te dis ça comme si je savais que je parlais. Tu vois, je te dis ça comme si je savais de quoi je parle, mais pas du tout. Pas du tout. C'est que ça il doit être récent. Que Shadow te dira que c'est trop bien. Voilà. Shadow, dis-nous pourquoi il est bien ce i5 8259U. Cheval. Voilà, bon. Alors, Shadow, pour une fois que tu gagnes. Pas gagne quelque chose. Pour une fois, Shadow, il a gagné. Je vais vous mettre un peu de pub, ça vous fera les pieds. Twitch, alors comme vous êtes tous... parce qu'il faut que je réponde à un message. Alors ça, ah, il m'a répondu pour le Guy. Ok. Fish at 11. Personne voit la pub. En fait, c'est le gros moment blanc de l'émission où en fait ils sont tous prime les mecs et personne ne voit la pub. Alors attends, l'autre Dougie, ok, keep it for me, ok, et il prend Dougie. Voilà, mon pote. En fait, c'est un YouTuber thaïlandais. Alors, il est pas un gros YouTuber, mais c'est un YouTuber thaïlandais. Et chaque fois que j'ai des produits, je fais 20-30% de remise. Alors soit la marque me demande de les renvoyer en Chine ou dans leur entrepôt en thaïlandais. C'est le cas des aspirateurs et tout, parce qu'ils ont tous des marques, des boîtes ici. Soit ils me disent, vous les revendez, vous les gardez et tout. Et là, le Dougie, je sais pas, je dis, voilà, j'ai le Dougie, je fais 20 ou 30% par rapport au prix AliExpress. Et lui, il est trop content. Alors, soit il en fait des vidéos, soit il en fait ce qu'il veut, soit il les revend. C'est des merdes, il fait sa vie, quoi. Voilà. Mais ça reste, voilà. J'envoie, je dis, voilà. Il est dispo, il est content, il dit gardez-le moi. J'en ai un autre pareil là, le OnePlus 10. Quand je lui ai dit que j'avais, il voulait la montre aussi. Tu sais, la montre avec la terre, le dôme et tout là. Bon, après, malheureusement, j'ai pas de nouvelles. Alors, le problème, c'est qu'en Chine, c'est un peu la merde en ce moment. Vous avez vu partout, c'était à Shenzhen, après maintenant, c'est à Shanghai et tout. Donc, il y a pas mal de boîtes où les mecs sont en confinement, tout ça, tout ça. Donc, pour l'instant, je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre en produit? Alors, j'ai eu confirmation de Ulefone. Ulefone m'a dit, tiens, on a le nouveau Ulefone Armor Power, Armor 14. Power, c'est-à-dire grosse batterie. Armor 14. Elle me l'a fait commander sur... Alors là, ils ont changé. Alors, normalement, alors, bonne nouvelle, les Chinois ont changé de stratégie. Avant, je vous rappelle, quand vous les commandez comme ça, pour vous, les cadeaux machin, il fallait faire une commande, ne pas la payer, d'accord? Voilà, donc mettre un numéro de carte bleue et te tromper de chiffre. De là, la commande était en attente, ils te réduisaient le prix. Ensuite, cette commande-là, tu la payais en mettant ton vrai code carte bleue. Ça, c'est la base. Maintenant, en fait, le produit, il est là, il te donne un code promo qui est équivalent quasiment à 1,50$ du produit. Donc moi, je l'ai payé 1,50$ au lieu de 199$. Mais je crois qu'il n'est même pas encore à ce prix-là. Il est encore à 200. Parce que moi, j'ai demandé, j'ai dit, dis donc, il n'y a pas moyen d'avoir le pack famille, là? Le pack avec la coque et le chargeur par induction, là? Elle m'a dit, oui, mais ça vaut quand même 250€. Et en plus, on vous paye la review et tout. J'ai dit, et alors, c'est qui fait des vues? C'est qui le numéro 1 sur les smartphones chinois? Hein? On n'est pas sur AliExpress, la merde. C'est moi, c'est GG. Voilà, donc, elle me dit, bon, d'accord. Et elle m'a donné un code promo de tout ça. Voilà. De tout ça. Voilà. Donc, j'ai payé 1,50$. Voilà. Donc, il me donne un code promo. Donc, tu mets dans ton panier. Tu mets le code promo. Pim, le prix tombe à 1,50€. Tu l'achètes. Bim, badabou. Ça perd l'hippopette. C'est la fête. Elle est venue comme ça. Elle est venue comme ça, et elle est pas mal, hein, je me mette ma fête, voilà. alors, hein, 20 000 bahts, 545 euros, donc t'imagines, même si le téléphone, il vaut 1000 euros, il vaut vraiment 1000 euros, alors après, t'es testé, peut-être en Thaïlande, ce sera moins cher, mais bon, voilà, même si je lui fais à 20 000, ça fait 545 euros, moi, 20 000, je peux aller au pute pendant une... je peux aller en vacances pendant une semaine, tu vois, par exemple. Mais arrêtez, bien sûr que les blagues sont préparées et tout, que ça, c'est pas... J'ai pas fourché comme ça, c'était juste pour vous faire rire.
Une semaine, pas déconner quand même, non? C'est long, hein? Alors, il faut y avoir de la crème et tout. Voilà. Bon, je reviens dans le mouton. Uniquement les filles à Pattaya savent de quoi tu parles, Greg. Pas du tout. Ah, de moi je parle? Oui, après, voilà. Nous, on s'est rencontrés. Ce qui se passe à Pattaya, reste à Pattaya. Exactement, voilà. Il n'y a que les kilos que tu prends ici, que tu ramènes. Tout le reste et les MST. Après tout le reste, tu laisses ici. Il est pas mal car suffisant pour le prix. Le Intel Iris. Tu peux jouer pas à Cyberpunk, mais à des petits jeux moyens. Lord of voilà, Valorant, Fortnite. Tiens, en parlant de jeux, j'ai été contacté par Red Shadow Legend. le dernier YouTuber. Et le mec, ils ont fait tous les mecs qui avaient des vues. Et qui avait des abonnés, ils se sont dit bon, on a fait, ouais. Bon, il nous reste GLG, on va lui faire un mail. Ils m'ont contacté, alors Red Shadow Legend, pour faire un placement, une pré-roll et tout, qui au mois de mai, hein, donc pas d'urgence, faut qu'ils me répondent et tout, mais ça permettrait de tomber, ça permettrait d'être bien pour les montres, les trois montres. Sigul, 50, 100 et 200 euros en Sigul, ça permettrait de faire les montres Sigul avec sponsorisé par Red Shadow Legend. Ça permettrait déjà de jouer, peut-être de l'installer déjà. Et puis tu sais qu'ils m'offrent un peu des diamants et tu sais, des meufs un peu bonnes avec des gros nichons et qui font. Voilà, je regarde trop la télé moi. Mais je le fais bien, hein. Bah, Red Shadow Legend. Pas du tout, j'ai jamais joué. Je sais jouer qu'aux voitures. Je sais bien. 7 minutes de détente vous êtes offert par GLG. Hein, donc petit pouce en l'air, petit diamant, Tipeee, ce que tu veux, il prend tout. Même les tickets restaurants. Je les boufferai quand j'irai en France. Excellent pour le prix normalement. Tu as aussi une partie graphique, mais minimale. Vega 7. Oui, c'est ça. Non, la partie. Il a mis longtemps. Ça fait bien 3 mois qu'elle devait me l'envoyer, qu'elle me l'a pas envoyé, que c'est reporté, nanana. Donc voilà, là, il est quand même arrivé un peu sur le tas. Il est arrivé. Déjà, en plus, ça part de Chine. Faut le temps que ça arrive et tout. Mais voilà. Et puis, Geekon, Geekom. Voilà. Comme j'avais un chat qui s'appelait Geekou, tu vois, on mettait le truc ULM à l'envers, hop, en coupant le truc de la fin, ça faisait Geekou. Bon, ça fait peut-être un petit peu de manipulation pour la blague, mais voilà. Tu l'as eu le phone. Ah, tu l'as eu le phone. Pas encore. Il est en route. Sur son horse, sur son cheval. Allez bien. Non, tu l'as eu le phone, je la trouve bien. On n'a pas. Oh, non, pas Red Shadow Legend, pitié, fais NordVPN limite. Mais non, le problème, c'est que je suis maqué un peu avec IVC VPN, qui paye pas beaucoup, mais qui paye tous les mois. Bon, là, il a pas payé encore, mais il va payer la vidéo, là, c'est sûr. Le problème, c'est que voilà, c'est que la chaîne, on voit bien que tous les mois, il y a une vidéo d'IVC VPN, donc les mecs, les agences comme ça, bon, ils voient bien qu'il y a du IVC VPN. J'ai eu Wondershare, elle est amoureuse de moi, ça y est, là. On commence à faire un peu des vues, là. Alors, on a fait Filmora, trop bien, elle me dit, oui, alors on a la version PDF élément pour payer les impôts. C'est quoi, les impôts, hein? Ouais, ça a l'air nul. Hein. Voilà. Et nous à Hong Kong, ça va tout être mieux les impôts. C'est pas mal. Comment dire, voilà. Donc elle me dit, on a ça pour les impôts et tout. Je dis, oh, c'est pas chaud là. Je suis pas chaud pour votre truc là, payer les impôts, truc. Je sais pas trop quoi faire. Là. La démo, ça me parle pas trop. Alors après, elle a bien vu que j'étais pas chaud. Et elle me dit, hey, on a le nouveau Dr. Phone qui permet de faire des copies, des synchros, de récupérer les WhatsApp, faire des copies de téléphone et tout. Voilà, grâce à Dr. Phone. J'ai dit, ah, ça c'est mieux. Voilà. Je dis même prix, même condition, elle me fait oui. Voilà, donc quand elle me dit oui comme ça, j'ose pas dire non, tu vois. Il n'y a que en cas de mariage où tu demandes un oui et elle prend ton nom. Mais là, dans ce cas-là, elle dit oui. Je dis oui, voilà, aussi. Allez, c'est pas de moi hein, le mariage, j'ai entendu ça dans une chanson de rappeur, hein, voilà. Oui, parce que là, quand tu demandes, quand tu veux te demander en mariage, tu lui demandes un oui et elle prend ton nom. Alors pour vous, il est que 18h. Donc normalement, le cerveau, ça va. Moi, il est 22h, j'avais déjà le truc. j'avais déjà la punchline.
Je ne sais pas si je t'avais raconté l'histoire qui m'est arrivée quand j'ai croisé deux Russes archi-bourrés qui ont commencé à aborder en voyant une fille est venue prendre, alors, qui est commencé à m'aborder en me voyant, et une fille est venue prendre ma défense en les envoyant bouler. Bah, c'est ça. Alors, pour pas vous raconter un peu toute l'histoire de Dexter, mais il a une... voilà, il doit avoir un taux d'handicap quelconque, certainement. Moi, ça se voit. Moi, j'en ai plein, mais ça se voit pas. J'ai moi un petit peu, mais voilà. Et alors, lui, voilà, il a... ça se fait... Après, bon, bah, forcément, ça peut étonner, détonner. Après, les Russes sont pas les plus malines non plus. J'étais marié avec une. Bon, revenons à nos moutons. T'es fini. Tipeee, Mick Mux. Bonjour, Mick Mux. Tu vas marier au premier regard. Oh oui. Oh oui. au premier hangar, ouais, surtout, ouais. Pattaya. Tu vas te marier au premier hangar. Elle est bien aussi. Elle est bien. Je sais pas d'où elle vient, mais elle est bien. À Pattaya, tu vas te marier au premier hangar. Ah tiens, ça tient. Pour ça que quand j'ai vu à Pattaya, c'est vrai qu'il y a des endroits qui sont un peu chelous et des meufs où tu te dis, j'en ferais bien la mère de mes enfants. Voilà. Bon, déjà, il faut essayer d'en faire et après, on verra ce que ça donne. Et il n'y aura pas M6 là. Dans Red Shadow Legends, je sais pas. Voilà. Bon, pour revenir, combien on fait? 22,51. Attends, on est pas mal, hein. Et après, il me reste quoi? Ah, les voilà. Alors, je vous fais voir juste le communiqué de presse, truc youtubeur qu'on ne doit pas partager. Alors, c'est les nouveaux One Man Evo. Alors, en fait, au début, j'avais pas compris. J'avais confondu avec les Nothing. Je me disais, ah, ils veulent m'envoyer les Nothing et tout. C'est bien parce que tous ceux qui les ont, ils disent, ah, c'est trop bien. Enfin, tous les youtubeurs qui ont été payés pour, ils disent, c'est trop bien. Et tous les autres, ils disent, franchement, t'as pas trop, t'as un canard, ton truc. Voilà, donc, je me disais, j'aimerais bien les avoir pour dire, enfin, voilà, ce qui se passe. Et là, c'est les One More Evo. En attendant, il y a des trucs avec induction osseuse qui vont arriver, mais le mois prochain, de la marque Ailou, je crois. Pareil, j'ai 2-3, ils sont tous énervés, là, ils ont tous envie d'en vendre. Qui c'est qui m'a contacté aussi pour me vendre un truc, là Elle m'a dit, ah, c'était X-Sense. X-Sense, elle me dit, oui, on veut faire un truc, t'es fumé, j'ai déjà fait. On a déjà travaillé avec vous, déjà fait et tout. Elle me dit, ah, pas. Elle me dit, bah, par contre, on a une sonnette connectée avec caméra connectée, wifi, trop bien, nanana. Ça cartonne, vous en voulez une, je m'en fous, ça cartonne, ça cartonne. En carton, ouais. Moi, je dis, ah, vas-y, fais péter, elle fait, envoie. J'ai dit, oui, à tout le monde, moi. Puis après, les colis arrivent, et je les découvre, là, le mini PC, je sais même pas ce qu'il y avait dedans. Bon, alors, one more. 180, putain, $170, pas mal. Audio Field Grade ANC True I Love Earbud. Avec tout ça, mon pote. Voilà, 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 voilà. Ah, mais ça, oui, parce que ça, j'ai eu le tracking DHL aujourd'hui. Donc là, si j'ai eu le tracking DHL aujourd'hui, c'est un peu comme le Ulefone. Là, le tracking là, DHL, ça va arriver après-demain, tu vois. Alors, clic-clic-clic-clic-clic-clic. IPX4, charge sans fil, longue batterie. Putain, perfect fusion de le tech et A unique 3D céramique panel, laisse électromagnétique signal interférence. Ouais, si tu veux, ouais. Ouais, OTR firmware mise à jour de voilà, $30 de discount. Attends, 5/10/2022. Le 6 août 2022. Putain, août ? Non, le 8 juin. Ouais, 8 juin et 10 mai. Oh, mais merde, ouais, entre le 10 mai et le juin. Ah oui, donc 10 mai, one but truc, là, ça va être encore pour le, c'est pour le mois de mai aussi. Ok. Music app, trop bien. Firmware, tout ça. À propos de One More, c'est les meilleurs. Le truc, il est trop bien et tout. Et puis voilà, voilà. Donc ça, ça sera la semaine prochaine. Ça, je les aurai, je vous les ferai voir la semaine prochaine. Voilà. Et voilà, alors là, je pense qu'on a, quand même bien, on a bien bossé. Hein. Je peux dire, l'heure, elle est passée crème, hein, comme un doigt dans la fesse. Rien à voir avec la crème. Malheureusement, la transition est pas bonne. Je suis désolé. Pardon. Alors, attends. Avec les Catoys, c'est zéro risque d'être papa par accident. Avec Catoys Aros. ça a tout fermé comme ça et tout. Ben, pas sûr, pas sûr. Elles seraient capables de dire qu'elles sont enceintes. Hein.
Oh, chérie, darling, I miss you, I'm pregnant. Envoie-moi un petit chèque. Mais t'es un garçon à la base. Oui, mais je me suis fait opérer de la quéquette et maintenant je peux tomber enceinte. Ouais, il y en a bien ou deux qui vont y croire, je te le dis, moi. Les quoi? Lady Boy. Oui, bah les Lady Boy, on peut dire Lady Boy, Chimel et Catoys. Le petit mot technique, voilà. Et c'est vrai qu'il y a un truc qui s'appelle le Catoys Aros. Voilà, c'était le petit moment culture de cette fin d'émission à 5 minutes de la fin. Coucou en retard, bonjour, un petit cadeau. Et là, maintenant on commence à 5h. Hein. Si maintenant 5h, vous arrivez à 6h. Alors avant, on commençait. Michael, il disait oui, moi, ça m'arrange pas trop, je finis à 5h. Ok. On a fait ce qu'on a pu. Enfin, surtout vous, vous avez changé d'heure. On va commencer à 5h. Après, maintenant, si t'arrives à 6h, hein, mais maintenant 6h et tout. Et en plus, Michael était même pas là, tu vois, pour te dire. Hein, comment ils sont. Ils demandent de changer l'heure de la France entière. Ils viennent plus. un petit. On va passer, je vais pas lire ça. Des nouvelles de Madols. Eh ben écoute, non. Je n'ai pas de nouvelles de Madols. Alors, vu que la trottinette de 30 kilos est quand même passée par la douane et que j'ai pas payé de TVA, je me dis que ça peut passer. Alors, ah tiens, en parlant de ça, j'ai mon Poco 4 Pro, là, qui est bloqué en douane par UPS. Il demande l'agrémentation de la NTBC Télécommunication de la Thaïlande. Très peu de marcons, en fait. Il va falloir vraiment qu'elle vende en marché local. Donc, elle me dit, sans ça, vous n'aurez jamais le téléphone. Donc, autant dire que je n'aurai jamais le téléphone. Ou alors, il me l'envoie par un autre biais. Voilà. Par une autre méthode, mais bon, entre les délais et les autres méthodes, c'est souvent un petit mois, quoi, tu vois, 15 jours, 3 semaines, donc là, je sais pas comment ça se passait avec Eka pour leur Poco, mais dans Poco, dans mon cul, voilà, c'est le cas de le dire. Et concernant la Dolce, eh ben, écoute, je n'ai plus de nouvelles de la meuf, et puis après, bon, alors certains, en fait, c'est vrai, bon, c'est vrai qu'après, c'est pas facile pour vous de... Et même les gens que je connais d'avoir une vision du business et de la gestion comme ça, qui me disent « Ah, mais tu devrais les contacter, tu devrais les relancer, tu devrais... » Alors, c'est pas facile aujourd'hui de contacter les marques et de leur demander un petit billet. Alors, tu contactes les marques, ils me disent « Ah, mais t'as que 80 000 abonnés, tu fais que 10 000 vues par vidéo, et en plus, tu veux qu'on te paye. » Alors, si tu les contactes en demandant le produit, c'est toi un peu qui arrive en disant « Ah, donnez-moi votre produit. » Donc, ils se sentent un peu en puissance, en disant « Attention, on vous le donne déjà, estimez-vous heureux, votre audience sera contente, vous allez prendre des abonnés, c'est trop bien. » Donc, c'est pas facile d'aller voir les marques en disant « On veut votre produit et il faudra nous payer. » Voilà. Mais par contre, voilà, après arriver à un moment où on est quand même assez visible sur YouTube, on fait un peu des vues, que les marques viennent vers toi, là dans ce cas elles viennent vers toi, tu dis voilà, on veut faire votre produit et tout, bah tu dis c'est temps. Ouais, on a plein d'argent, bah tant pis, voilà, je sais plus que c'est qui m'a fait ça le coup d'un fois là. La meuf elle veut m'envoyer un truc, puis elle me dit ah, mais, on a pas trop de budget, hein. Je dis bah tant pis, pas grave, hein. Il y a des marques qui l'ont le budget, hein. Et souvent après elles reviennent, dis, oui, on va parler avec mon directeur général, on veut, ah puis il faut payer d'avance. Ah, mais non, et en plus il veut te payer d'avance, puis le boss il dit bon alors. Et il allume R2D2, puis il voit le truc, il dit oh, mais ouais, c'est ton dernier espoir. Il dit regarde, même lui il le dit, donc voilà, et il dit il paye. Là c'est plus facile. Après, dans l'autre sens, il dit ah, il faut me payer, alors il faut me payer et me payer d'avance. Quand tu contactes les marques, généralement c'est compliqué. M'en fous, je suis toujours là. Ouais, heureusement, hein, Shadow il est là depuis le début. Puis Shadow, c'est lui qui a mis le plus de diamants aujourd'hui hein, sur la table. Elle est en vacances ou les douaniers se sont fait plaisir. Alors non, mais concernant la Dolce, elle n'est même pas partie, elle m'a même pas dit, elle n'a pas mon adresse. On vous rappellera, vous n'avez pas mon adresse, mais on vous rappellera. Non, elle m'a pas confirmé, elle m'a dit oui, on va voir avec mon patron, machin, parce que là, c'était la Dolce et un petit billet, hein, quand même. Le mec, il est chelou, il dit non, il faut me payer. J'ai, ah, bah, parce que après, j'en fais quoi, moi, de le truc, là. Je l'accroche, là, et je la mets derrière, et on attend, on l'habille, et ça deviendra la présentatrice du truc. Non, j'ai, c'est... Pff, je pas bossé à l'œil pour le plaisir d'avoir un truc en silicone comme ça. Je vais la niquer deux fois. Je me dis, oh, c'est pas terrible, hein, voilà. Puis après, je vais me prendre une vraie. Donc, voilà. Donc, je dis, il faut me payer en plus. Il faut m'envoyer le truc, la douane, payer. Elle réfléchit, voilà. Mais bon, après, comme personne, à mon avis, veut faire ça, elle reviendra. Elle reviendra à moi. Modérateur, toujours à l'heure. Oui, et de bonne humeur. Parfois un peu dominateur, mais ça passe aussi. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah, j'ai envie de vous dire que ça fait déjà une heure.
Bon, un petit billet pour lui faire un garde-robe. Ben, c'est ça, pour lui mettre entre les seins. Hein, comme ça, là, tu sais, t'as un truc un peu... Bon, allez, tomber. Voilà. Bon, bah écoutez, les enfants, ça fait déjà... ça fait déjà... Ça, je sais pas vous. Alors, vous me direz en commentaire, la vite fait, comme ça. Ce nouveau format est incroyable. Qu'est-ce que c'est passé vite. Et on a parlé... Bon, on a dit 2-3 bêtises. On parlait un peu de Pattaya, 2-3 bêtises. Mais on a quand même parlé high-tech de tous les produits qui vont arriver, des produits que... Peut-être que vous n'avez jamais entendu parler des produits qui vont arriver. Je vous rappelle, c'est, tous les liens seront dans la description de cette vidéo, si vous la regardez sur Twitch, et tous les liens dans la description de la vidéo YouTube qui sera en replay demain. Je pense pas que je vais faire ça maintenant. Je dis ça, puis je le fais toujours. En podcast, tout ça, voilà. Ça, vous trouverez tous les liens. Si vous voulez déjà les acheter, les précommander, vous pouvez le faire. C'est des liens d'affiliation, encore une fois. Ça permet de se faire un petit peu plaisir. Voilà. Des bêtises, si peu. Chut. Faudrait pas. Non, mais j'étais un peu vulgaire. Je m'en excuse. N'hésitez pas sur YouTube, si vous regardez cette vidéo, en disant « Oui, c'est vrai que t'es un petit peu vulgaire. Nous, on regarde ça avec maman et les enfants. Et on était un petit peu choqués. » Il y en a deux, trois derrière qui disent « Faut pas regarder ça avec maman et l'enfant. » C'est entre nous. Entre nous. Voilà. Bon, merci beaucoup à Shadow pour les petits diamants qui vont clôturer ce petit live. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain, je vous rappelle, il y a toujours une semaine d'écart entre YouTube et machin, mais moi, j'ai trouvé cette émission bien. je trouvais que celle-là, elle était bien. Voilà. Après, je sais que la prochaine sera mieux, mais j'ai trouvé mon format, nom de Dieu. Allez, merci de passer, bonne soirée, forcément, je vous kiffe.